Following the Arusha peace agreement in 2000, which ended the Burundian civil conflict, decentralization reform emerged as a clear policy objective to improve and encourage interactions between the government of Burundi and its citizens. In 2005, after the adoption of a new constitution, Burundi began a transformative process of decentralization to empower local entities known as communes to bring basic services to Burundi's entire population. This will increase citizens' access to education, healthcare, clean water, and food. La décentralisation vise d'abord le développement durable de la population, avec des autorités locales élues qui rendent de meilleurs services aux populations. The decentralization process has not been an easy one. The law regulating the responsibilities of the communes has not yet been adopted, and local administrations face a lack of skilled personnel as well as a lack of funds. Transfers from the national budget are almost non-existent, and the collection of local revenue through taxes is very low, leaving the commune struggling to support even basic operating costs. Effectivement, nous avons le défi lié au financement des communes. Et nous sommes en train de pousser pour que le gouvernement adopte la loi pour transférer certaines compétences de l'État vers les communes. Nous avons également le niveau bas des communes en matière de planification, en matière de maîtrise d'ouvrage, en matière de collecte des fonds. Although citizen participation remains weak in Burundi, the government is increasingly working on developing greater participation with the local population, especially the poor and vulnerable, who are at times excluded from decision-making and lack opportunities to actively engage and discuss local needs. These efforts are empowering some communities around the country to adopt a more inclusive and transparent leadership. In Rutegama, the new administration, elected in 2010, was able to carry out major reforms and gain the trust of its citizens. It established an accountable and monitored tax collection system, making Rutegama one of the few financially viable communes in Burundi. Dukoresha ibitasi dukuye hanyuma amahera mu kuyinjiza muri komine iyo abatoza kori bayatuzani tubaha igitasi cyemeza ko yinjiye no mu kuyasohora tuyasohora dukoresheje impapuro nta mahera dupfa gusohora ataru papuro dufise. Michael Nitunga is a tax collector in Rutegama. He's one of several tax collectors implementing new procedures to ensure accountability and efficiency. Ego mu kazi kacu ka misi yose turatoza amatagisi tukayashikana aho yategerezwa gushika mu kiga cya komine hama rero ingorane ntizibuze nta vyera ngo de turahura n'ingorane zimwe zimwe ugasanga nk'iyo uriko uratoza itagisi uri kurayisaba nta vyumva neza kuko tudatahura kumwe ugasanga ntamenya ko ari terambere cy'umunyagihugu rimuva ko rikongereka musubirako. Tukagerageza kubasigurira rero kugira ngo bumve akamaro ko gutanga amatagisi kuyo bayatanze komini igatera imbere icya nayo ikora imigambi myinshi y'iterambere ugasanga abanyagihugu natwe twatanze amatagisi atugarutse ko akadufasha mu migambi y'iterambere. Murakoze mu majambo makeje ntabeshya icyatumye ntanga tagisi nashatse guteza mbere komine nayo kugira ngo yisununure. D'emblée, je vous dirais que depuis l'an 2010, juste au début de notre mandat, le mandat du conseil communal, la commune pouvait encaisser autour de 40 millions par an, les recettes réalisées. Mais aujourd'hui, nous sommes à 120 millions et nous comptons arriver en l'an 2015 à 195 millions. Suite à ces entrées, nous avons réalisé beaucoup de projets, construction des écoles. Depuis que nous avons constaté que la commune doit réaliser beaucoup de projets, nous avons essayé de mettre dans la transparence toute réalisation au bénéfice de la population. Alors cette transparence, ce partage d'informations à chaque fois qu'il est nécessaire, a fait que la population comprenne finalement que le paiement des taxes, le paiement des impôts, ça revient à eux. C'est une contribution qui va après retourner dans les projets de développement bénéfiques pour la population. Bref, je dirais que lorsqu'une bonne gouvernance dans toute organisation, dans toutes les sociétés, les bénéficiaires, ce sont eux qui viennent
donner des idées de contribution pour pouvoir avancer plus. Inama twarimwo yari nziza iterambere yo kugira ngo tuje mu nama yo kubaka ibirasi bitatu bisigaye by'amashuri. Tugomba rero kugira ngo twarumvikanye na bene gihugu twese tukorane dutoza amafaranga yo kugura amabuye n'amatafari yo kubaka ibi birasi bitatu bikwira amashuri 9. The sustainability of Burundi's decentralization process will require a firm commitment from the people and their leaders. With greater emphasis on fiscal and policy reform, Burundi has the potential to transform the lives of its people. La dernière loi qu'on a eu à voter, qui cadre bien avec la décentralisation, c'est la loi communale. Nous l'avons analysée au niveau de l'Assemblée nationale et je crois que bientôt elle sera promulguée. Et à y voir de près, c'est vraiment une loi qui consacre la décentralisation, d'autant plus que l'administrateur communal, encore une fois, il sera élu. C'est quand même un pas important parce que dans le temps, il n'était pas élu, il était désigné. Et nous avons aussi inscrit dans ce nouveau projet que le gouvernement doit doter de la commune d'une contribution. Je pense bien d'à peu près 500 millions par commune, faire en sorte que les communes puissent avoir plus de moyens financiers. Burundians who have already seen the positive effects of decentralization are excited to share their experiences. Alexis Nzohabonimana is president of the Burundian Association of Local Elected Officials, working to strengthen the decentralization process and achieve positive results. J'adresse un message premièrement au gouvernement pour lui dire que la décentralisation c'est une bonne chose. N'hésitons pas, allons de l'avant. Et avec la décentralisation, nous allons voir des effets rapides sur le terrain. J'adresse un message aux communes pour leur dire, ne nous décourageons pas, les choses vont aller mieux dans les jours à venir. Et continuons à montrer les bienfaits de la décentralisation. Continuons à montrer que nous sommes à même d'avoir plus de pouvoir pour le bénéfice de notre population.